Christ est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Alléluia. Voilà notre refrain de Pâques, empreint de joie et de certitude. Mais ce ne fut pas la réaction des disciples de Jésus au premier matin de Pâques. Les divers récits des évangiles racontent que les disciples ont éprouvé peur et stupeur, incompréhension, doute, terreur, puis émerveillement. Avec le recul et connaissant maintenant la suite des choses, nous avons une toute autre vision. Au matin de Pâques, nous clamons Alléluia! Mais quand nous traversons un processus de résurrection, c'est plutôt l'incertitude, l'anxiété, la stupéfaction et l'incrédulité qui règnent. La résurrection est, par définition, inattendue et inimaginable. Nous ne la voyons pas venir. Nous y sommes jamais préparés. C'est la révélation d'une vie nouvelle là où il n'y avait que désespoir et sentiment de perte. Les Alléluia que nous clamons à Pâques traduisent, malgré nos moments de découragement, notre confiance à l'amour de Dieu, puissance créatrice de résurrection dans notre vie. Nous ignorons quand et comment elle se produira et à quoi elle ressemblera. Nous serons certainement désorientés et déconcertés si elle se produit. Mais aujourd'hui, en clamant Alléluia, nous déclarons que la résurrection est possible et nous ne perdons pas espoir, aussi désespérant qu'une situation puisse paraître. En ce temps de Pâques, puissent vos chants et vos cris d'Alléluia fortifier votre foi en la puissance d'une vie nouvelle, possible pour vous, votre Église et notre monde. Puissions-nous être un peuple de résurrection.